Quelle drôle d'idée. Bon, on n'est pas là pour rigoler. Ceci un petit peu quand même. Mais on est surtout là bah, pour le zap. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'actualité du 30 octobre 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On se donne rendez-vous tous les vendredis avec un petit résumé high-tech en vidéo de toutes les news du JT Geek de la semaine bah, en provenance de Chine. Puis il y avait un petit bonus mercredi. On en parlera dans l'émission. Allez, comme toujours, à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne récemment. Pas beaucoup, mais bon, vous nous rejoignez et tout, ça fait plaisir. Également, une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour l'émission. Encore une fois, c'est un peu l'échange. Moi, je fais l'émission, vous mettez un petit pouce en l'air et tout. Pour vous, c'est gratuit. Puis pour moi, ça permet de monter un peu sur Google. La dernière émission a pas trop mal marché. On a dépassé les 150 pouces en l'air. Donc là, c'est devenu une formalité. Ça fait plaisir. Merci à vous. Et on approche les 900 vues par émission. C'est bien. Ça commence à se roder et tout. Je pense que d'ici la fin l'année, on devrait dépasser les 1000 vues par émission, et puis bah, on n'est pas à l'abri d'un confinement et que tout le monde regarde l'émission le vendredi. Non, mais non, ça n'arrivera jamais, on n'est pas sur Netflix. Bon, une spéciale dédicace également à tous nos mécènes. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de soutenir l'aventure afin que ça continue et que ça grandisse. Vous allez voir, il se passe pas mal de choses en me soutenant sur Tipeee. Hein, je veux dire, bah, tu vas au restaurant, tu payes parce que c'est bon et tout. Là, tu regardes l'émission, tu dis c'est pas mal, tu peux laisser un petit pourboire, ça coûte. À partir de 1€ par mois, par PayPal ou par carte bleue, t'es tranquille pendant tout le mois d'octobre. Bon, là, ça va être bientôt fini. Hein. T'es tranquille pour le mois d'octobre et ça te permet de soutenir un peu l'émission et devenir un peu nos mécènes. Et c'est vrai que bon, quand on regarde un peu la liste de nos mécènes, c'est dingo. 74, on était à 54, je crois, le mois dernier. Donc 74. Et je vous rappelle, pour tous nos mécènes, en plus d'avoir votre nom dans les crédits ici, vous aurez des suppléments directement sur Tipeee. Ça veut dire que vous aurez accès, vous recevrez un mail et dans Tipeee, il y a une rubrique qui s'appelle la rubrique News dans laquelle je vous propose des vidéos exclusives. Alors, en rendez-vous exclusif, 6 vidéos par mois garanties, voilà, juste pour toi. Je sais pas si on peut encore dire voilà, là, en cette période un peu tumultueuse, on va dire, bon, bah, je te promets que tu auras plein de vidéos. Tous les mercredis, je vous propose un zap news. Donc là, je parle un peu des news du monde, mes news personnelles, les petits coups de gueule et tout. Là, c'est vraiment juste entre nous. Et on se retrouve un dimanche sur deux pour un live. Et là, ça tombe, bah, du coup, ça tombe dimanche. Donc c'est un peu le moment ou jamais d'essayer un petit peu. Je vous propose également de mettre toutes les reviews 24 heures avant, au moins 24 heures avant qu'elles soient mises en ligne. Ça veut dire que la vidéo du Ulefone Armor 8 qui sera en ligne demain, elle était déjà sur Tipeee. C'est-à-dire vous pouvez déjà la regarder et comme il y a une promo qui est là jusqu'au 2, ça permet bah, d'être dans les premiers. Et également des tests, des essais quand je vais essayer des trucs et puis des fois je les mets en ligne. Des fois je veux les mettre en ligne, pas en ligne, mais je me dis bon après les gens vont aller, on va déjà sur Instagram. Non mais le temps est pourri. Mais oui, mais je fais des tests les gars, c'était un test vidéo, c'était pas un test audio. Donc du coup je vous proposais des tests de l'Insta 360 que je vous ferai voir à la fin pour préparer un petit peu le road trip qui s'annonce imminemment sous peu. Voilà, donc tout ça c'est sur Tipeee. Tu vas sur Tipeee News, tu cliques sur la news. Oh, même Dieu, t'as pas accès. Tu débloques la news, ça coûte à partir de 1€ par mois, plus si t'as les moyens, hein, tu vas mettre 2, 5. On va pas refuser, mais c'est minimum 1 et ça débloque tout. Et tu auras accès à toutes les news de septembre, d'octobre. Et donc, du coup, si tu fais ça en novembre, tu auras accès à l'ancienneté. Ça faisait tout drôle de dire ancienneté avec l'accent qui vient, l'accent du surnaturel. Bon, allez, la JT Geek, le JTGeek.com, c'est mon site web. Il y a également une petite shop dedans, une boutique dans laquelle je ne vends rien, mais je vous propose des produits en affiliation. Ça veut dire que bah, vous les achetez directement chez le vendeur. Si vous achetez, je touche une petite commission. La montre pas mal, la montre Marvel Venom, et comme elle était relativement chère, je me suis dit, ouais, 218€, c'est encore assez. Et bien en fait, non. Disney a vraiment une boutique officielle sur AliExpress et ils vendent des produits, dont cette boutique Venom. Aujourd'hui ou demain, je mettrai la montre Star Wars, qui est dans la même boutique que vous pouvez cliquer, aller voir et tout. C'est pas mal. Les produits, alors la Star Wars est quand même beaucoup moins chère. Et puis des produits un peu différents, insolites, que je peux trouver sur Internet, qui peuvent éventuellement vous intéresser. Attiser le clic, et puis encore une fois, ça permet de lancer un business model en supplément. En sus, comme dirait. Bon, allez, on n'est pas là pour rigoler. Enfin, si, un peu, mais bon, après, on est surtout là pour de la news. Tant qu'il parle, elle a toujours pas fait une seule news. Bon, samedi, je vous ai proposé la Divoom D2, qui est là encore. Un petit haut-parleur Bluetooth. Voilà, un petit haut-parleur Bluetooth avec un écran pixel, des petits boutons pour changer la musique, des petits jeux Tetris. Un haut-parleur plutôt pas mal, un prix un petit peu élevé, mais bon, c'est le prix de la nostalgie. Hein. On va dire que c'est ça. Une vidéo qui a plutôt bien marché, un produit qui vous a séduit par sa différence, après un peu moins par son prix, mais bon, après, on peut pas tout avoir. Voilà. Donc, le lien est dans la description.
Bon, je vous en parle dans le JT Geek. Normalement, le 7 novembre, Xiaomi doit dévoiler une nouvelle montre, ça s'appelle la Xiaomi Mi Bro. Pourquoi je suis sûr de ça? Ben parce qu'à ce moment, parce que je suis en deal avec eux et que du coup, moi j'ai reçu un document où il y a toutes les informations de la montre et le déballage et les vidéos promotionnelles que je dois absolument pas vous faire voir avant le 7 novembre, bien évidemment, puisque c'est une surprise. Mais comme je suis une petite pute à clic, je me suis dit que si on pouvait faire un peu de référencement, donc la Xiaomi Mi Bro Air, bon, je vous ai dévoilé un peu ce qu'il y avait la montre sans trop vous en dire, en vous en disant un petit peu. Bon, c'est une montre de merde. Non, mais ça reprend, vous prenez la Xiaomi Mi Color qui existe déjà, c'est une petite montre connectée sous Java, qui reprendra toutes les fonctions d'une montre connectée, et puis bah voilà, hein, c'est la nouvelle, à part que là, ça peut être plus une version, peut-être plus pour l'Europe, pour le reste du monde, voilà, il y aura un podomètre et tout, ça va vraiment être de la montre à 30 balles, encore une fois, hein, mais bon, voilà, je vous en parle, hein, ça fait de la news, ça fait du référencement. Allez, puisqu'on parle de monde de fabricants chinois. Non, arrête. Allez, Ulefone a présenté également. Alors, il devait présenter une montre, peut-être deux, qui sont déjà disponibles sur AliExpress. En fait, ils en ont présenté trois. Puisque c'est un peu des dingos, en fait, simplement parce que c'est la même montre qui est déclinée sous trois versions. Alors, la Ulefone Watch, la Ulefone Watch GPS et la Ulefone Watch Pro. Alors, attention, Pro ne vaut plus rien dire en Chine. Hein. Pro Lite Plus GT Turbo Prime Alpha. C'est pareil, après, bon, t'as compris, il y en a une qui est classique. Alors, de la montre complètement normale, hein, avec capteur cardiaque, pour la plus haute gamme, le SPO2, forcément, et bien évidemment, le GPS pour la version GPS, je te le donne en 1000. Des prix qui sont 30, 40 dollars, donc voilà, ça va être des montres à 30, 40 balles, en fonction des précommandes et en fonction de ce que tu peux espérer des montres. Voilà, c'est le nouveau créneau, hein. Je vous l'ai annoncé, alors peut-être plus le mercredi, mais c'est vraiment, les fabricants de smartphones n'arrivent plus à déclencher les ventes, et ça paraît un petit peu normal. Bon, par contre, le nouveau créneau, c'est les wearables, donc c'est-à-dire les montres connectées et les écouteurs. Là, vous allez en bouffer pendant un petit moment pour toutes les marques, puisque c'est un peu le complément que tu peux changer un peu plus rapidement, et la technologie évolue pas mal, donc ça peut justifier. Bon, après, pour une montre à 30 balles, voilà. Tiens, puisque j'aime bien vous relever un peu des news, je regarde un petit peu ce qui se fait sur Internet et on parle un peu. Alors, il y a Teclas qui a proposé deux tablettes. Alors, il y a la M40, encore maintenant, et puis il y a la M13 qui est tombée hier. La M40, c'est une tablette Android avec un processeur Unisoc. Alors, Unisoc, une chaussette, hein, dans l'américain. Non, c'est les processeurs chinois, le T616. Ça prouve bien que les Chinois veulent faire leur propre processeur. Mais bon, le problème, c'est qu'ils ont tellement de retard que... On n'est pas sur du 5 nanomètres, hein, on est d'accord. Mais bon, ça fait du processeur, une tablette Full HD, 6 plus 128. Et encore une fois, une bonne partie du prix d'une tablette, c'est le processeur. Ça coûte de l'argent comme votre PC. Donc l'intérêt, en faisant un processeur chinois qui fonctionne bien pour une tablette, ça leur permet un petit peu de tirer le prix. Bon, la tablette, elle est pas mal du tout. Hein, et ensuite, elle n'est pas vraiment excessivement chère. Vous pouvez la trouver sur Banggood, sur AliExpress. Vous pouvez même la trouver sur Amazon. Bon, l'intérêt d'Amazon, garantie 2 ans, livrée depuis l'Europe et tout. Une tablette tout à fait honorable, qui n'est pas excessivement chère. Combien pour le chien dans la vitrine? Je ne me rappelle même plus le prix. Je crois que c'est moins de 150 balles. Hein. Attention, suspense. 152 €. 152 €, elle est pas mal, mais on verra que la M13 est peut-être un petit peu mieux tout à l'heure. Bon, on en parlait sur JT Geek, il devait y avoir un événement mondial le 27 octobre pour le lancement des Amazfit GTR 2 et GTS 2. Des montres qui sont déjà, qu'on connaît déjà, qui ont déjà été dévoilées. Alors c'est vrai qu'on parle aussi de la Amazfit Bip U. Le Bipu, ben oui, c'est ça. Ne me demandez pas comment ils font, la Bip U. Et bon, alors les deux montres, bon, on les connaissait un petit peu. Ce qu'on connaissait pas, par contre, c'est la balance Amazfit. Alors, peut-être que comme moi, vous avez une balance Xiaomi et qu'elle est connectée avec l'application Mi Fit. Donc, ça synchronisait avec le Band, le Xiaomi Mi Band 3, 4, 5. 6, non, 5 ans, on est arrêté à 5. La balance permet peut-être de calculer ton poids et d'avoir des courbes un peu rigolotes pour te dire que, en fait, c'est pas sérieux du tout. Il va falloir que tu te mettes au sport. Au moins pendant le confinement, si tu veux sortir un peu. Donc la tablette, la balance, bon, sera dans la lignée de son trou. Par contre, elle sera quand même beaucoup plus sensible. Il y aura beaucoup plus de mode, notamment parce que ça fait circuler un petit courant électrique. Donc pour les femmes enceintes, il y aura pas ça. Il y aura vraiment une détection. C'est si tu bois un verre d'eau et tu dis oh là là, mais attention. C'est un peu comme les mecs qui font de la boxe. C'est quand il faut qu'ils perdent du poids. C'est tu vas courir un peu avant, tu vas faire pipi, tu vas aller aux toilettes et tout, te détendre, transpirer un peu, nettoyer pour monter sur la balance pour gagner 5 grammes.
Ça peut. C'est pas mal. Bon, c'est une balance qui est intéressante. On les trouvera bien évidemment dans le lien donc sur JT Geek et sur la boutique Amazfit de la boutique AliExpress de Amazfit. Alors, on trouve déjà les montres et après les GTR 2 et les GTS 2, tu peux les acheter. Évolution des GTR et des GTS. Bon, après, c'est de l'upgrade, hein. C'est les mêmes montres, à part que on apporte un petit peu plus et les nouveaux capteurs. C'est vrai que le SpO2 est très. Le taux d'oxygène dans le sang, c'est vraiment le truc à la mode de cette année que oh, si tu l'as pas sur l'ancienne, il faut absolument que tu changes pour l'avoir. Pour te rendre compte que, en fait, tu t'en bats les couilles. Mais bon, au moins, tu auras acheté la nouvelle et tu auras fait un peu le taf. Voilà. Bon, il y a des jolis designs, il y a des jolies montres, lien dans la description. Allez, Oukitel qui nous a teasé un petit peu avec le Oukitel WP10. Bon, c'est un téléphone résistant de la marque Oukitel. Alors, j'ai même pas mis la fiche à jour parce qu'ils ont parlé. Alors, il y aura une batterie 8000, nanana, toutes les. Et Blackview, ils se tirent un peu la bourre. Alors, l'intérêt, c'est que ça sera les premiers téléphones résistants qui seront 5G. Alors, c'est vrai que vous, actuellement, en l'état en Europe, bon, déjà, vous êtes coincé chez vous, Wi-Fi gratuit, pendant au moins 4 semaines. Et certainement, à mon avis, je pense qu'il y a marqué ces 4 semaines et plus si affinité. Hein. Et je pense qu'en ce moment, les affinités, vous avez tous les points. Bon, alors vous avez du Wi-Fi gratuit. Et ensuite, bon, il n'y a pas encore trop de 5G. Il n'y a pas de forfait, pas d'antenne. Les mecs n'ont pas acheté. Donc bon, c'est pas encore trop une urgence, mais ça prouve que les fabricants chinois aussi se disent, putain, si on veut leur vendre des téléphones, il faut bien qu'on leur apporte quelque chose de plus. Et ils ont l'impression de croire que la 5G peut être pas mal. Alors j'ai envie de dire oui. Et pour l'instant, non. On verra l'année prochaine. Mais bon, après, encore une fois, ça laissera un petit peu à la technologie de passer un petit peu de temps et de voir l'année prochaine si c'est intéressant ou pas. On parlera de la news suivante, sans transition aucune, hein, concernant les OnePlus Nord 10 et les OnePlus Nord N100. Je rappelle qu'ils sont des téléphones Oppo rebadgés chez OnePlus avec deux modèles. Bon, voilà quoi, je veux dire, deux téléphones qui sont certes sympathiques, mais qui n'apportent rien de plus par rapport à une ribambelle de modèles qui existent déjà. Notamment chez, on va parler Realme pour la marque la plus proche, mais ça fait partie du même groupe, de chez Xiaomi et tout. Bon, des téléphones qui sont bien positionnés, mais bon, belle caméra, bel écran, de la batterie, bon, on reprend la prise jack et de la micro SD, ça c'est pas mal. Mais les téléphones, ils sont complètement insipides et les prix sont corrects, mais encore une fois, pas de quoi taper le cul par terre en disant oh, c'est absolument celui-là que je veux, c'est vraiment l'affaire du siècle, quoi. L'affaire du siècle, c'était peut-être le Poco X3, mais bon, là, à ces prix-là, on trouve carrément plein de modèles et tout. Alors, à moins d'être un gros fan de OnePlus et de vous dire, écoutez, moi j'ai un OnePlus 8, 8T Pro, machin, et que madame, pour rester dans la famille, et du coup, vous le prenez un N100 ou N10 ou les gamins et tout. Mais je vais pas, j'ai pas trop vu l'intérêt. Après, bon, ça va certainement se vendre, hein, et ça va peut-être permettre aussi d'apporter un nouveau souffle à la marque. Écoute, c'est ce qu'on peut leur souhaiter, hein, pour l'instant. Bon, on parlera de Aldocube, puisqu'en ce moment, il y a pas mal de nouvelles tablettes qui sortent. C'est bien, c'est peut-être l'effet Noël. Alors, on avait déjà testé la Aldocube e-Play 20. C'était pas mal, c'était une bonne petite tablette. Elle faisait le taf. Encore une fois, c'était pas tablette de l'année, hein. C'est pas le iPad killer, mais c'était une bonne tablette avec un. Alors là, on parle plutôt de la e-Play 30, un écran 10 pouces sous Android, un Helio P60, ça suffit, 4 plus 128, micro SD, GPS, Badou, de la 4G, batterie 7000, tout ça pour moins de 140 balles. Ça fait une tablette qui est homogène, qui n'est pas excessivement chère et qui permettra certainement de trucs. Alors non, il n'y aura pas de Netflix en Full HD sur une tablette de 10 pouces, pas trop, hein. À moins que tu regardes comme ça et tout, mais bon, voilà, pour jouer dans les toilettes, t'as pas besoin de tout ça. Voilà. Bon, la tablette, elle est sympa, elle est pas exceptionnelle encore une fois, elle est en métal, elle est bien finie. Si vous avez aimé la 20, on vous dit, on peut regarder la vidéo de la 20, on vous dit, voilà, la 30, c'est un upgrade, ça peut t'intéresser. Honor qui nous faisait aussi un petit teaser en disant, ouais, mais attendez, on va avoir un nouveau Honor Band de 6. Alors, en fait, il existe sur Huawei, mais Huawei, il s'appelle le Huawei Band 5, et il est bandé, enfin, il est brandé sous la marque Honor Band, en 6, voilà. Alors ils ont dit, ah, mais le nouveau, le 6, alors il y avait le 5, qui était bien, avec le petit bouton, un bel écran, le 6 sera encore mieux avec un écran plus grand. Ouais, je veux dire, coco, je veux dire, je sais pas pourquoi je fais des news, hein, j'ai envie de te dire, c'est évident, le 6 aura une mise à jour du 5 avec le SpO2 et des nouveaux capteurs encore plus efficients. J'adore le mot efficient. Efficient, c'est-à-dire le maximum d'effet avec le minimum d'effort. Ouais, on prend la même et on change l'écran. Et donc le Band 5 aura, le Band 6, bien évidemment, aura un écran plus grand, de meilleurs capteurs et un écran un peu plus grand. Bon, c'est exactement ce qu'a fait Xiaomi, hein, entre les nouvelles générations, c'est-à-dire un écran un peu plus grand, tu vois un peu plus, t'en affiches un peu plus et tu mets des nouveaux capteurs.
Donc, est-ce que cette news, elle est bidon? Oui, mais bon, je suis un fan de la news, hein, nom de Dieu. Et puis, encore une fois, la news n'est bidon qu'à partir du moment où tu la connais. Parce que si tu ne l'avais pas parlé, tu n'aurais pas su. Tu n'aurais pas su, voilà. C'est de l'information. Bon, Xiaomi nous tease tout doucement sur sa Xiaomi Mi Watch Lite. Je rappelle, la Xiaomi Mi Watch est sortie. Une espèce de copie d'Apple Watch en version chinoise avec Android Wear dedans. Mais Android Wear version chinoise, puisque Android Wear, Android, les services Google sont interdits en Chine. Donc, ils ont fait un Android Wear spécialement pour les Chinois, mais qui passe par leur application et tout. J'ai reçu la montre, c'est une merde atomique puisque tu peux rien faire avec. Il faut la configurer, nanana. Apparemment, tu peux la configurer qu'une seule fois. Tu te trompes, ça la met en chinois par défaut. T'es foutu, t'es obligé de prendre avec un autre téléphone. Enfin, c'est très, très, très compliqué de passer un petit peu outre les restrictions de Android Wear avec les services Google. Donc là, sans les services et tout. Donc, une version Mi Watch Lite qui pourrait être exactement la même châssis, mais avec une version, on l'espère, sous vraiment Android Wear pour l'international et en reprenant un petit peu les caractéristiques, puisque le form factor, ils l'ont, les capteurs et tout aussi. Bon, ça pourrait être pas mal. La montre vient de passer le FCC. Est-ce qu'elle va arriver? Alors, le problème, c'est qu'elle va arriver dans un marché qui est déjà ultra concurrentiel. Alors, avoir obligation d'avoir une montre sous Android aujourd'hui, personnellement, moi, je n'en vois pas l'intérêt pour faire la routine. C'est pour dire, oui, mais alors, sur ma montre, j'ai YouTube. Ah ouais, mais bon, Coco, là, je veux dire, faut t'acheter des yeux aussi pour une loupe, hein. Donc, d'avoir tous les services Google, non, une montre en Java fonctionne très très bien. Après, de là à arriver Xiaomi, alors qu'il y a Oppo, il y a Vivo, il y a OnePlus, enfin OnePlus ils sont en retard, on en parlera tout à l'heure, mais il y a Realme, il y a plein de montres, il y a ma Huawei Mi Fit qui est exceptionnelle et qui fait complètement la blague. Encore une marque de plus, ça va être compliqué. Voilà, en plus des écouteurs pour Noël. Bah tiens, on en parlait justement, OnePlus qui confirme que sa OnePlus Watch est reportée. Pourquoi elle est reportée? Bah parce qu'en fait, du coup, ils nous sortent que des trucs que tout le monde a. Donc si c'est pour nous sortir une montre connectée, soit sous Java OS à 30 balles, c'est pas intéressant, soit une montre haut de gamme qui tourne sur Android Wear, je veux dire, on a déjà tout ce qu'il faut. Hein. Et puis il y a des grosses marques qui le font très bien. Donc l'intérêt, ça serait peut-être qu'ils aient un OS pour les montres, mais alors du coup, Oxygen OS, on a vu que c'était très très bien pour les téléphones, mais les téléphones ne vendent pas tant que ça. De là à faire un OS dédié, une version oxygène pour la montre, en sachant que les montres vont peut-être pas se vendre génial, vaut peut-être mieux attendre et d'essayer d'apporter le One More Thing qui permettra de dire waouh, là voilà, la montre elle a vraiment quelque chose de plus et non pas une énième montre avec un énième OS et les mêmes spécifications de tout le monde. Donc je pense que je suis un peu d'accord avec la news, on vaut mieux attendre que de sortir un truc où le marché est complètement saturé maintenant. C'est pas parce que c'est une OnePlus que tu vas l'acheter. Alors après, est-ce que ça sera un truc pas cher? Ça sera un truc un peu haut de gamme? Je pense qu'ils sont pas encore sûrs, donc attendons un petit peu. Voilà, de toute façon, on l'attendait pas. Donc on en parlait au début de l'émission, pour tous ceux qui sont tipeurs, je vous propose mercredi un Zapactu News. Alors là, on parle des histoires de dingue, des histoires en Thaïlande, parce qu'on peut pas trop parler de la Thaïlande, parce que les gens sont un peu jaloux. Je rappelle, je suis résident encore en Thaïlande, pour un moment. Je devais retourner en France, mais là, c'est pas le moment. Hein. Je veux dire, si j'avais un petit doute, là, en ce moment, je pense que novembre, retourner en France, c'est pas trop bon, là. Entre le confinement, les égorgements, et tout, donc c'est pas trop, on va essayer de survivre encore un petit peu ici. Donc là, on peut en parler parce qu'on est entre nous, on peut parler un peu de tout ça. Donc des histoires de dingue, de Covid ici, vous allez voir, c'est incroyable. Plus les histoires avec les marques, mes réactions, des commentaires, on parle un peu des news, je vous donne un peu mes réflexions personnelles. Voilà, tout ça sans langue de bois. C'était la vidéo de mercredi, ça vous permet de couper un peu la semaine. C'est-à-dire mercredi, vidéo tipeur, vendredi, vidéo publique, samedi, vidéo publique et un dimanche sur deux, un live. Et puis bientôt, les vidéos en moto, on en parlera après. Bon, j'avais déjà fait une news sur l'Insta 360 One X. Alors, pourquoi j'étais sûr? Parce que j'avais déjà reçu le communiqué de presse, mais qu'il fallait absolument pas dévoiler et tout. Donc, il y avait des choses qu'on pouvait dévoiler et d'autres qu'il fallait garder. Insta nous propose une nouvelle caméra. Alors, il y avait l'Insta 360 qui est rangée quelque part, là, dans laquelle je suis en train de tourner actuellement sur la moto, qui était la One, qui est bien pour le form factor, une caméra 360 qui permet plein de trucs au niveau du montage. On avait testé la One R, qui était un mode avec des modules qu'on pouvait clipser et tout. Et là, il y a la X2, qui est une évolution de la X. Quelles sont les différences? La possibilité de filmer uniquement avec une lentille à l'avant pour filmer en mode, toi, en mode blogueur, vlogueur, rigolo, et non pas de filmer automatiquement en 360, parce que cette caméra ne permettait pas de filmer qu'avec une lentille. Il fallait obligatoirement les deux. Donc, plus de montage, plus de fichiers, c'était compliqué. Un petit écran LCD à l'avant pour voir ce que tu as filmé, un petit replay ou te voir en temps réel si tu veux faire un petit mode selfish. Ça, c'est pas mal. Elle est étanche sans boîtier. Ça, c'est bien aussi. Et enfin, elle est en USB type C parce que l'autre était en micro USB. Donc, micro USB, ça veut dire que tu n'as aucune possibilité de mettre un micro. En USB type C,
c'est un peu détruant puisque tu peux mettre un adaptateur USB type C vers micro. Leur adaptateur USB type C, puisque j'ai fait l'essai avec tous ceux que j'avais sur la One Air, il n'y a rien qui est reconnu. C'est vraiment un format propriétaire. Comme ça, ils te vendent 20 balles le truc qui en vaut un. Et comme ça, et voilà, un peu profit et Riri et Loulou et Oncle Pitsou surtout. Donc là, une caméra qui est pas mal. Alors évidemment, on l'attend puisqu'on est en deal avec eux. Elle est un peu relou, Lulu, là, chez Insta. Elle devait promotionner notre vidéo. Elle a complètement oublié, évidemment. Donc, ils vont la mettre sur Instagram. Mais là, c'est pas le moment. C'est la X2. Voilà. Donc, par contre, cette caméra-là, on devrait la recevoir. Et ça sera plus intéressant. Encore une fois, le mode perche sans truc et tout. On verra ça avec la vidéo à la fin. Ça permettra pour moi en moto d'avoir cette caméra-là et de pouvoir brancher un micro dessus et de mettre un micro casque. Et non pas de faire un doublage de son avec un enregistreur. C'est pas très pratique. Bon, Samsung qui confirme à demi-mot qu'il va bien y avoir une gamme A02, alors avec un A02S, confirmé FCC et NBTC, FHSBC, voilà, CQFC, CQFD quoi. Donc, bah, NBTC c'est la Thaïlande, hein, et FCC, encore, je m'en rappelle plus, on s'en fout. Voilà. Donc le M02 sera un téléphone pas cher, forcément pour l'instant on n'a pas trop d'informations sur le truc, mais on devrait vraiment avoir un téléphone low cost avec un Snapdragon 450, 3 Go de RAM et tout. Voilà, on devrait avoir un truc à prix d'enfer, toi, genre un téléphone à 100 balles quoi. Mais bon, c'est intéressant, c'est de voir Samsung aussi dire ouais, bah, nous aussi on a un téléphone à 100 balles. Et puis voilà, est-ce qu'on s'emballe? Non. On continue à... Allez, je vous proposais hier dans le truc, parce que alors, je rappelle, pendant un moment, au premier confinement au mois de mars, je faisais une émission par jour, on avait les apps et tout, puis après, ça faisait un peu un rythme de fou, et de toute façon, vous n'avez pas le temps de les regarder. Après, on a fait 2 par semaine, 3 par semaine, 1 tous les 3 jours, et puis en fait, j'ai gardé le format 1 tous les vendredis, puisque ça vous laisse vraiment le temps d'avoir tout le résumé des news comme ça, en audio, en vidéo, en podcast, dans la bagnole et tout, ce que vous voulez. Et hier, je vous proposais, je dis, attends, le confinement reprend, est-ce que ça serait intéressant de reprendre le zap en quotidienne, ou éventuellement tous les 3 jours, pendant le confinement Live Pro Plus ? Alors beaucoup ont rigolé en appelant le nouveau confinement Lite Pro Plus, puisque toutes les évolutions des téléphones aujourd'hui sont des versions Lite ou des versions Pro ou des versions Plus, qui n'apportent rien si ce n'est une petite mise à jour. Donc le confinement Lite Pro Plus, j'ai trouvé ça pas mal, puisque c'est le même qu'avant, mais il apporte des évolutions. Ça veut dire que tu peux quand même aller bosser, tu peux quand même aller à l'école et tout, mais c'est le même, voilà. Donc, je vous ai proposé un article en vous posant la question, est-ce que éventuellement ça vous intéresserait que je reprenne peut-être tous les 3 jours ou vous préférez un par semaine. Et là où je pense qu'on peut être content de l'article, c'est que tout le monde est d'accord, pour une fois. Alors ça fait enfin, comment ça, tout le monde est d'accord, c'est-à-dire que 100%, vous êtes tous d'accord. Et la réponse, c'est alors, bah, tout le monde s'en bat les couilles. Il n'y a pas eu une seule réponse, il n'y a pas eu un seul commentaire. Tout le monde s'en bat les couilles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un seul commentaire, une seule réaction, que ce soit sur Facebook, sur JT Geek. Tout le monde s'en fout. Donc, tout le monde est unanime en disant, tout le monde s'en bat les couilles. Voilà. Donc, en gros, je fais comme je veux, comme d'habitude. Bon, ça permettait surtout de vous mettre un petit rappel en expliquant quelles sont les vidéos qui sont publiques, c'est-à-dire la vidéo du vendredi, une fois par semaine, et au moins une review par samedi. Les vidéos bonus du mercredi, et tous les mercredis et un dimanche sur deux, là on est d'accord. Et la mise en avant des vidéos pour que vous ayez un peu tout le monde et tout, et la reprise de la moto pour vous encourager à devenir tipeur, à soutenir l'aventure. Mais comme tout le monde s'en bat les couilles, donc du coup au moins, on passe à la news suivante. Allez, la news suivante, Huawei a bien annoncé que la plupart de ces téléphones-là, ces téléphones passeront sous MIUI 11, mais que pour l'instant, ils avaient déjà une liste de 10 téléphones, c'est ceux qui passeront en premier. Alors c'est pas parce que votre téléphone n'est pas dans la liste que ça ne passera pas sous MIUI 11, mais bah, ça ne sera pas les premiers. Alors moi, j'ai un Mate 20X, donc ensuite, on regarde la liste. Bon, le mien, il n'est pas dedans. C'est vraiment les derniers téléphones qui, eux, auront soit sous la marque Honor, soit sous la marque Huawei, MIUI 11. Bon, ça apportera des fonctionnalités et tout. C'est vrai que je me suis pas mal branlé en disant « Oh là là, genre MIUI 10, ça va changer ma vie !» Bon, après, dès qu'on a eu la nouvelle version, je me suis rendu compte que, bah, que c'était exactement pareil, que ça n'a pas changé ma vie et que voilà, quoi. C'est vraiment un truc de geek. On parlera de la news suivante avec Humidigi qui nous disait hier la Humidigi Urune. Alors, à ne pas confondre avec Urine, qui... voilà. Et à ne pas confondre avec Urus, qui certainement est une marque... voilà. Hein. On est plus sur du 4x4 Porsche. Bon, une montre connectée... Ouais, ouais, hein. Bon, ben voilà. Une nouvelle montre intelligente avec GPS, bien évidemment. Un GPS intégré, des modes sportifs, le surveillant de l'oxygène avec le SPO2.
bien évidemment. Une vente mondiale à prix incroyable, fracassé pour le 11 novembre à 40$. Et voilà. Et c'est tout. Voilà, donc c'est une montre de plus, hein, tout que je voulais expliquer. Toutes les marques vont vous sortir leur montre connectée avec SPO2, capteur cardiaque, le sport et tout. Donc là, elle sera à prix choc à 40$ au lieu de 80$, bien évidemment. Enfin, 80$, faut pas déconner non plus. Bon, 40$, oui. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter plus une Humidigi qu'une autre? Si t'as un téléphone Humidigi que t'as mis à la marque, fais-toi plaisir. Et fais-leur plaisir, bien évidemment. Après, ben voilà quoi. Hein, oui, comme toutes les montres, on est d'accord. Mais ça, je te l'ai dit depuis le début de la news. Hein, on était. Bon, les petites news de ce vendredi matin. Lenovo qui nous va nous proposer un Lenovo K12 Note. Alors, je rappelle, Lenovo a un peu lâché le morceau des téléphones depuis qu'il a racheté Motorola. Il s'est dit, on va racheter Motorola. Comme ça, au moins, on aura une bonne plage, un bon réseau de diffusion. Les gens connaissent la marque et tout. Et ça permettra à Lenovo de développer la marque sur quelques marchés. Eh bien, ils ont pris au mot de la lettre, puisque le Lenovo K12 sera simplement le Moto G9 Play, que vous pouvez trouver déjà en Europe. Hein. Vous prenez le Moto G9 Play, vous lui enlevez la charge rapide à 20 watts, vous mettez 15 watts. Et puis, ben, vous l'appelez Lenovo K12 Note. Voilà. Pour certains marchés. À savoir qu'en fait, en Inde, il existe déjà le Moto G9. Alors, il n'était pas Play, hein, il n'a pas joué celui-là. Il est resté sur le banc de la touche. Il y avait déjà le Moto G9 en Inde, qui est le même, hein, pareil, mais en Europe, ça sera le Moto G9 Play. Et dans certains pays, et notamment en Chine, ça sera le Lenovo K12 Note. Voilà, c'est exactement le même téléphone, rebadgé différemment, avec le même processeur, de la RAM, et forcément le même prix. Alors l'intérêt, c'est qu'il n'est pas cher, il a une grosse batterie 5000 et tout, un écran 6,5 pouces. Est-ce qu'il est plus Note qu'un autre? L'autre, il est Play, il fait la même taille, mais enfin bon, non, 6,3. Et là, 6,5. On a 0,2, voilà. Ce qui doit jouer au niveau de la bordure, voilà, en fonction comment tu mesures en mètres, en pouces ou en mètres-pouces. Bon, allez, on en parlait au début de la news. Teclas a dévoilé hier, un petit peu en catimini comme ça, la nouvelle Teclas M18, une tablette de 10,1 pouces. Bien. Par contre, un écran de 2,5K. Ça, c'est pas mal. C'est qu'on est au-dessus du Full HD, même si, bon, tu verras peut-être pas vraiment la différence, mais bon, voilà. Un processeur Decacore X27. De la puissance, en veux-tu, en voilà. 4Go de RAM plus 128Go de ROM. Alors, elle est également 4G, cette tablette. Ça veut dire que tu pourras mettre ou deux SIM ou une SIM plus une micro SD, d'accord. Bon, par contre, le petit bémol, elle tourne sur Android 8. Ce qui, pour les geeks, les gros geeks d'entre vous, vont dire « Oh là là, mais elle tourne sur Android 8, ben, tu comprends pas ?» Non, mais ça sert à rien. C'est une tablette, les gars. C'est fait pour aller de la vidéo, des mails, des trucs, jouer à des jeux, quoi. Qu'elle soit sous 8 ou 10, ça change rien à ta vie. Et ne me parlez pas des failles de sécurité, les gars. Hein. Les mecs en disant « Oui, mais alors les failles de sécurité... » Eh les mecs, vous avez tous 1 milliard de produits connectés qui viennent de X, Y, W, des Chinois, machin, qui sont tous connectés en Wi-Fi à la maison, dont la sécurité est souvent pitoyable. Et si le mec, il veut rentrer, il vaut mieux qu'il rentre par votre petit produit connecté en Wi-Fi Xiaomi ou de machin. Il y a plein... Enfin, Xiaomi, encore, ils ont des bonnes plateformes. Mais il y a plein de produits de merde qu'on connecte tout en Wi-Fi, où là, on peut rentrer facilement dans votre réseau Wi-Fi et vous pirater, voilà. Donc, ça ne viendra pas de la tablette. Donc, oui, j'aurais préféré que ce soit 9 ou 10, parce que c'est mon petit côté geek. Mais bon, voilà, la tablette fait 150 balles. Elle a un processeur Decacore, elle est 4G, elle a le GPS, elle est bien Wi-Fi. Elle est pas mal. En premier lieu, oui, mais alors, est-ce qu'il va y avoir une mise à jour? Non. C'est Monsieur Mobile, Mr. Mobile. Mr. Mobile, qui est un YouTuber américain, d'ailleurs, qui était un ancien acteur, qui a joué dans Star Trek. Je crois qu'il a joué que dans Star Trek parce qu'il en parle tout le temps. Donc voilà. Donc il a joué dans Star Trek et là il s'est relancé. Maintenant il est YouTuber. Et il fait des vidéos high-tech. Il disait dans une remarque, il disait n'achetez pas un produit pour ce qu'on vous promet. Achetez un produit pour ce qu'il fait maintenant. Ça veut dire qu'acheter le produit en vous disant elle est sous Android 8 à vitam aeternam. Pour ceux qui ne sont pas latins, ça veut dire que never ever. un processeur Decacore 4+128, de la 4G et tout, une finition métal, 150 balles, deux caméras, elle fera très très bien le taf, voilà. Après, est-ce qu'il y aura une mise à jour? Non, partez sur aucune mise à jour, aucun correctif et tout. La tablette fonctionne comme ça, c'est bien, ça te plaît, tu l'achètes, ça te plaît pas, tu l'achètes pas. S'il y a des mises à jour, tant mieux, s'il y en a pas, au moins t'as acheté le produit en l'état. Mais à 150 balles en précommande, on peut se dire que... Allez, je garde pas la news pour mercredi prochain, parce que là, c'est plus des news perso. J'attendais les nouveaux produits de Oclean. Alors, Oclean, on a testé la brosse à dents électrique, ils ont des aspirateurs, pas mal. On est bien en deal avec la marque, ils aiment bien nos reviews, donc ils m'avaient proposé d'envoyer leurs 3 nouveaux produits, qui sont la Oclean R2, une brosse à dents électrique, un hydropropulseur pour te nettoyer le nez
directement comme ça les dents, le nez, des tartrages et tout, pourquoi pas. Et également un truc pour désinfecter apparemment les rasoirs et tout, avec des lampes ultraviolettes et tout, puisqu'on est en mode Covid, c'était pas mal. Ils m'ont envoyé les trois produits. Les trois produits ont été bloqués en douane en Thaïlande en me disant, ah là, c'est des produits de l'hygiène, de la santé, truc. Comme tout le monde est un peu frappadingue en ce moment avec le Covid, les trois produits étaient dans la même boîte, ont été bloqués, m'ont demandé passeport, une attestation m'expliquant pourquoi j'ai importé ces produits-là et tout. Alors, je suis youtubeur, passeport. Tout ça à la fin pour me dire qu'en fait, non, comme c'est considéré comme des produits médicaux, truc, il fallait une autorisation de l'hôpital de la Thaïlande, comme quoi c'était des produits et que j'avais le droit de les importer. Bon, en gros, de la merde en barre, je ne pourrais pas les avoir. Bon, bah, alors, comme j'aurais dit, il fallait peut-être me les envoyer soit un par un, mais pas les trois d'un coup. Là, FedEx a tout bloqué, c'est la merde, je pourrais pas les avoir. Donc, je devais les avoir pour le 11 novembre. Là, c'est bloqué, ils veulent pas les débloquer, il faut une autorisation de trucs. Pour l'anecdote, et ça fait partie des anecdotes du mercredi, j'avais déjà eu le cas d'un téléphone qui venait de France, donc d'une marque pas française, mais une marque qui vendait en France. Le téléphone, il avait ROHS, il y avait le DAS et tout. Le téléphone, enfin, chiadé quand même, voilà. Bloqué en Thaïlande, à la douane, en disant non, mais attendez, il nous faut l'autorisation de la régulation des télécoms thaïlandaises, thaïlandais. Alors, je veux dire, je vis en Thaïlande, j'adore ce pays-là, mais. je veux dire, le téléphone, il est aux normes européennes, qu'il soit pas aux normes thaïlandaises, ça va, il est aux normes quand même un petit peu. C'est pas un truc qui vient de Chine, underground, de Shanzhai, trouvé dans un échoppe là-bas. Il est aux normes européennes, donc tout le respect que j'ai pour la Thaïlande, les normes thaïlandaises, bon, elles sont peut-être bien et tout aussi. Mais si le truc, il est aux normes européennes, en théorie, avec tous les papiers et tout, c'est bon quoi. Elles peuvent me le donner. Bah, là, c'est à peu près pareil pour ces produits-là qui sont vendus en Europe, sur Amazon, qui ont tout bien et tout. Bah non, là, il faut absolument le truc de la Thaïlande et tout. Donc ils sont perdus, je ne les saurais certainement jamais, je les aurais certainement pas à temps avant le 11 novembre. Donc il n'y aura pas de review, c'est un peu dommage, parce que c'est une vidéo qui s'est rémunérée. Mais bon voilà, après c'était fait par... Voilà, c'est parti des anecdotes du mercredi qui vous encourageront peut-être à devenir tipeur. On parle un peu de ça et tout. Voilà, bon après, tant pis, hein, moi je les paye pas les produits bloqués, bloqués. La marque elle est dégoûtée, moi aussi. Bon, on finira, parce que pour ceux qui ne me suivent pas, je rappelle, vous pouvez me suivre également sur Instagram, mon pseudo c'est Greg le Geek. J'essaie de vous parler un peu des histoires, notamment les nouveaux pneus que j'ai changés pour mon Tricity. Bon, c'est une petite histoire, mais bon, quand vous allez voir le prix que j'ai payé deux pneus d'ancienne génération par rapport aux nouveaux, voilà. On en parlera peut-être plus dans la vidéo, je vous parle des produits que je reçois, on tease un peu, alors le Ulefone, des choses comme ça, l'ouverture d'un Xiaomi Shop au Big C de Pattaya, il y a un Big C Extra, ils ont fait un Xiaomi Store, on en parle un petit peu dedans, et on parle surtout de la prochaine vidéo en moto. J'ai fait des tests avec la caméra 360, donc la Insta, la X, donc l'ancienne, pour voir un petit peu ça. Alors le son il est pourri, je sais, mais c'est simplement pour voir. Cette vidéo est bien évidemment sur Tipeee, vous pouvez voir la vidéo complète avec le rush. Donc là on voit pas, c'est que la caméra en fait, vous voyez, j'ai mis un support à côté du truc téléphone avec la perche, mais comme la caméra enlève la perche, bah du coup on a l'impression qu'il y a une caméra flottante qui me suit alors qu'elle existe, mais le logiciel de montage fait que ça enlève directement la perche et le truc. J'ai fait un test, alors c'est juste un test vidéo, et puis comme j'ai fait le montage, je me suis dit, je vais leur envoyer au moins aux tipeurs, comme ça ils verront. Nanana. Cet après-midi, je vais faire un test avec le micro-cravate dans le casque, et ensuite, du coup, au montage, eh ben, j'ajouterai le son avec le casque, ça permettra d'éviter ces problèmes de souffle et tout. Je vais faire un road trip, on en parlera dans la vidéo, donc cette vidéo devrait être en ligne dimanche, je vous explique qu'est-ce que je vais faire, petit road trip, comment ça va se passer, pourquoi je pars avec le scooter et pas à la moto, qu'est-ce que je vais vous filmer, qu'est-ce qu'il va y avoir avec la caméra, les plans et tout, ça peut être plutôt sympa, vous trouverez la vidéo dimanche sur Tipeee et elle sera en ligne dimanche prochain en public sur WTS-GG, ma troisième chaîne YouTube. Et j'ai espoir de reprendre au moins une vidéo toutes les semaines, voire tous les 15 jours, en fonction des road trips comme ça. Voilà. Donc ça permet de relancer un peu le truc, et puis bah, d'avoir exclusivité pour les tipeurs. Vous aurez votre nom à la fin des crédits, vous allez voir, ça va être sympa. Pour ceux qui soutiennent l'aventure, encore une fois, c'est un bal pour le mois d'octobre et un bal pour le mois de novembre. Vous pouvez mettre en automatique, vous pouvez mettre one shot, deux balles, il y en a qui ont mis 5 balles, 20 balles. Voilà. Ça permet de lancer un peu l'aventure et de voir ce qu'on peut faire et d'essayer des choses un peu diverses et variées. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir encore une fois. Si vous pouvez financièrement, allez sur Tipeee, 1 euro par carte bleue ou par PayPal pour un mois ou en renouvellement tous les mois. Ça permet vraiment de me soutenir et puis de préparer des trucs, voilà, des road trips, vous mettre des vidéos en plus. Voilà, moi ça me motive parce que vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Voilà, donc c'est peut-être le moment ou jamais. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, un bon vendredi, un bon demain. On se retrouve pour la vidéo du Ulefone.
Armor 8. Il faut que j'arrête cette vidéo là, ça me perturbe un peu en fond d'écran là, je ne vois que ça. Je vais mettre ça en plein écran. Voilà, voilà. Je vous remercie de voir. Donc, la vidéo, demain, la vidéo du Armory Suite. On se retrouve dimanche sur Tipeee pour le live. Donc, ce sera dimanche à 16h. Ah non, ce sera plus 16h pour vous. 21h moins 6 sera 15h chez vous. Parce que moi, je vais rester sur mon heure. Moi, j'ai pas changé d'heure. Donc, ça sera 15h chez vous. Et on se retrouvera pour le live. On parlera un peu des news de la semaine et tout, bien évidemment, des rebondissements. Et je répondrai à toutes vos questions en live. La vidéo sera disponible samedi, si vous voulez. Ah. La vidéo sera disponible samedi sur Tipeee, s'il y en a qui veulent déjà poser leurs questions, si vous ne pouvez pas être là dimanche. Et ceux qui pourront être là dimanche pourront être là pendant le live. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. L'émission aura duré 40 minutes. Pas mal. Merci de passer me voir. Dimanche également sur Tipeee. Alors, samedi, il y aura le live. Et dimanche, il y aura la vidéo à moto avec le Tricity. Je vais tout vous expliquer. Vous allez voir. Tout vous expliquer ce qui va se passer, comment on va faire. On va partir en Thaïlande. On va faire 1000 km avec le Tricity et tout. Un truc de dingue. Ça va être extrêmement sympa. Voilà. Allez, merci de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Bye bye. Et pendant ce temps-là, 47 852 messages. Évidemment, tout le monde m'écrit, tout le monde truc. Oui, on a dit cet après-midi, je viens. Voilà, pour tester le truc, là. Voilà, ça va être pas mal. Hein, c'est bien, pour vendredi et tout, en moto. Ça va être bien avec le micro, là. J'espère qu'il va pas pleuvoir, il a plu toute la nuit. Tu t'en fous, toi. Mais moi, elle est pas étanche, celle-là, la X. Alors, avec la X2, avec le micro, ça va être trop bien. Mais je t'en parlerai, on va dire ça dans la vidéo. Et donc, tu verras la vidéo dimanche sur Tipeee, dans les news et tout. Voilà, je vais teaser partout, avec plaisir.